gars veut aller soutenir, il faut aller soutenir ce kicker, visiblement il répond. Pas discret mec hein. Non. C'est qu'on essaye de s'avancer discrètement chacun de notre côté sur les points et après si on peut on s'arrange pour neutraliser les, par radio pour neutraliser tous les packs extérieurs ensemble et ensuite vous donner l'assaut sur la baraque pendant que nous on vous appuie et on surveille potentielle arrivée de l'UAZ que je viens de voir passer ou autre chose, autre renfort qui pourrait venir. Ok. Zidrou pour Kickers, on arrive en soutien aérien sur la zone. C'est bien reçu. Ah tu peux y aller. Ouais, je confirme que j'ai fait vite fait. Donc Ask. Askicker, surtout, tu nous dis quand c'est engage. Hein. Oui, je vous transmets ça pour le moment, restez à l'écart. Ah. Ok. Eh bah, ben, c'est reparti, les rouges. C'est pas à gauche, BA2 ? Attends. Attendez, y'a l'UAZ qui repasse. Ouais, il revient. Et si, mais on n'est pas encore arrivé au bout, Orsen. D'accord. On est censé être discret c'est ou est-ce qu'on peut c'est... déjà faire acte de présence? Pour le moment, on est censé être discret. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans un champ et quand vous avez besoin de nous, on décolle dès que ça pète. Il y a l'UAZ, il y a c'est bien sûr, faites attention, il y a un UAZ qui circule sur les rails vers notre position, on a atterri la première fois. Vas-y, reprends le chemin s'il ne voit pas. On les entend bien nos copains. Ouais. À ta gauche. À l'UAZ et plein de mecs armés. Il vous a repéré. On se fait tirer dessus. Engagez-le. Ils sont tous morts. Neutralisé. Bien reçu, pour le moment restez à distance des barriques. Alors, on le veg, là, ça nous amène à gauche. Ok, ballon c'est pas. C'est merci. La baraque cible c'est laquelle, c'est celle-là là? La baraque cible c'est... Bah en fait vous vous décalez là où je suis, vous verrez les deux mecs. C'est de l'arbre là. Elle est pas à la maison cible, là, je viens de pointer. On traite d'ici le gars J'hésite, j'hésite. Voilà, ça vient vers nous. Ouais je sais que ça vient vers nous, c'est pour ça. Skickers, du coup pour rejoindre B2 ça va être compliqué, on n'a pas traversé la route, de l'autre côté c'est un grand découvert et j'ai des mecs qui sortent des bâtiments qui se dirigent directement vers nous, donc on va devoir engager d'ici ou faire un plus grand détour. Ok, attendez qu'on se mette en position, je vous donne l'ouverture du feu. C'est bien reçu, pour info, on a des hommes qui sont sortis de bâtiments et j'ai actuellement une patrouille qui s'est mise en stand-by en 050040 PAF numérique 7.
Et en fait, les arbres qui sont affichés sur map en niveau de la gauche des coordonnées que je t'ai données, c'est pas de la végétation, c'est juste de l'herbe rase. C'est meilleur. Si on va s'avancer, Elisa sera de passer à gauche dans les bâtiments, mais j'ai peur qu'elle prenne un mauvais visuel. Donc il y a deux mecs en stand-by sur la droite, un mec en Ah, il y stand-by en a sur la encore un gauche. au niveau de la grange là qui fait le tour, je pense que c'est un mec qui est en patrouille. Ouais. Il y a lui là. Il y a un mec qui reste en stand-by là. En vrai, dans l'idéal ici, on a un meilleur visuel. Hein. Ça sert à rien qu'on se décale sur la gauche, on aura un visuel de merde. Et on peut flinguer les mecs au niveau de la grange et puis aller sur la Balle, t'es route. en position? Bah là on a pas une mauvaise position pour engager, mais on aura plus de chemin à courir à parcourir après pour atteindre la cible. C'est mieux quand même de. Bon bah si t'es prêt, Rectification, j'ai trois mecs à droite. Mera, vous pouvez venir sur zone, on engage. Allez, tout le monde feu. Mec à droite, vous l'avez flingué, c'est bon, la deuxième. C'est bon, ils sont fumés à droite. Ok, on va faire super gaffe à la grange. Et c'est là qu'il y avait l'autre mec, il peut encore s'avancer. On commence à avancer, nous, Kickers, du en coup. face, en face, en face. Allez. Allez, Joli. assaut, assaut. C'est traité, c'est traité. Allez, c'est parti. On va passer à gauche, on va faire de garder à couvert. Era, vous pouvez venir sur zone pour les À gauche appuyer. dans le talus, les gars. Ouais, on arrive, attends 2 secondes, on a eu une déconvenue, on est blessés tous les deux. C'est bien sûr. On s'est fait bolosser par un paysan. Et ce véhicule arrière gauche. Afi, c'est l'hélico, c'est bon. Attention, il y On avait un mec qui engage patrouille encore. tout le monde? Les hostiles qui pourraient nous menacer, les potentiels renforts qui arrivent. Ok, reçu. Passe à droite de la grange, Ben. Non, venez sur la maison cible, décalez-vous à droite avec moi sur la maison cible. Je traverse la route là déjà. Ok, on est sur. Enfin, je suis sur site, moi. Tu checkeras dans le pick-up, y'a un mec qui est rentré dedans, j'ai peur Ah, de le pick-up, il est cané, Ah, oui, c'est bon. il y a un autre cadavre. Ah non, c'est que C'est c'est hors scène. derrière le C'est hors véhicule. scène, c'est hors scène. À droite, dans le talus. D'où t'es arrivé hors scène en fait? Il a fait le tour par la gauche. Ouais. Je suis prêt à entrer. Que je lance une bombe. J'ouvre. Vas-y, rentre. Ouverture, ouverture. C'est le meilleur moment pour se flinguer. Prochaine pièce. Vas-y. Ça s'ouvre pas. Ok, maison suivante. Ah, mais attends, ça serait pas le VIP qui est flingué dans le véhicule là? Non, je vais voir. C'est quoi, c'est quoi son nom? On l'a pas. Ok, Skickers, il n'y a plus personne vivant dans le secteur. Effectivement, il y a donc un civil qui est mort au volant de son pick-up. On présume que c'est le VIP qu'on cherchait. Ok, reçu, vous l'emballez et vous l'amenez entre B1 et B2. C'est Elias qui avait eu. Zidrou, pour On n'a pas de quoi l'emballer, il nous faut que le médecin y aille. J'en ai, j'arrive. Ouais, je vous envoie Elias pour faire ça. Isidro, enfin, va venir nous chercher. Tu vas te poser entre B1 et BA2. Il y a un petit champ et t'as de quoi faire là-dedans. Et nous, surveiller qu'il n'y a pas d'autres connards qui arrivent depuis le veille. Ouais, c'est bien pris, on y va. Et tous les autres packs, vous faites un 360 pour couvrir la LZ de l'hélico qui est entre B1 et B2. Attention à Blackheart. La voiture va bouger. Le corps a disparu. Non, il est là. Oh, t'inquiète, je suis loin. On se fait tirer dessus. T'es là sur la route de droite. Les plus gros, je laisse mieux. Regardez le mec. Ça a l'air d'être fumé dans le véhicule, je crois que c'est bon. Avec deux. Avec un gauche, il s'est pris plein de pruneaux, c'est bon. Sticker, on va prendre le véhicule du VIP pour aller plus vite, on va embarquer le cadavre dedans. Attends, je crois que j'ai vu Sticker se faire down. Pas grave, on va faire ça comme ça quand même, parce que là, traverser le cadavre à travers toute la pampa, ça va être compliqué. Bon, allez, quoi, on embarque le cadavre dans le pick-up rouge et puis on dégage ici rapidement avant que d'autres connards qui arrivent. Vas-y, là.
Laisse le pick-up, on y va comme ça, l'hélico est pas loin du coup. C'est clair. Oui, enfin, c'est de la merde dans le sens qu'il n'est pas nécessaire pour la franchise à son endroit. Ah bah si, il y a plus qu'un rapport. Bien sûr que oui, bah, bien sûr que si. Je me pose là et il y a... Ah si, 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 il a 100% un rapport avec elle. Comme tous les films de la franchise, il fait partie du lore. Ah non, non, le 3, non, c'est pas le 3 du 4, c'est le 4 que j'ai. Bah 4, c'est pareil, on fait partie aussi. Ouais, mais c'est l'un des meilleurs. Bah on s'en branle de ça, ça fait partie du lore. Go! Ok, Val, tu passes devant avec ton groupe et je suis avec le mien. C'est parti, les rouges, on y va. On va se mouiller un petit peu par contre, je pense. Azimut 90. Au niveau des baraques, hein, mais. En fait, on est pris. D'accord, on est là, ouais. C'est quoi ça? D'accord. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce bordel? J'ai pas compris. À la radio, faut peut-être demander à l'hélico. Mais c'est pas, c'est même pas eux qui tirent, je crois pas. C'est pas, ça fait pas à ce bruit-là, un hélicoptère. Qu'est-ce que c'était que ça? Feu d'artifice. Bon, c'est les feux d'artifice sur plein jour, ils sont un peu cons ici. Ça se trouve, c'était un fil de détente, ouais. Ouais, est-ce qu'ils ont réagi en face? Est-ce qu'ils sont en alerte eh ou quoi bah que ce soit? Là, il y a 5 connards qui viennent droit sur nous, ils sont pas alertés, mais ils viennent droit sur nous. Bon, ils sont encore loin, ils sont à 200 mètres. On a qu'à faire croire que j'étais un chevreuil. Ils dirigent toujours sur nous là? Ah là, ouais, ouais, ils sont en patrouille, ils viennent vers nous. Ouais, mais ils sont pas alertés, ils patrouillent comme ça. Je sais pas quoi. Ça dépend, s'ils anglent sur la gauche et qu'ils se font leur pattern habituel, s'ils continuent tout droit, c'est que. C'est que c'est pour nous. Ok, on va attendre un peu, si vous me dites si ils viennent pour nous, honnêtement, je leur souhaite bien du courage, parce que là, les mecs, ils sont ils tournent à gauche. Ok, donc ils suivent leur partenne. Ouais. Ouais. Ok, du coup, ensuite, bah... on peut continuer à suivre la tranchée à droite, on arrive c'est à ça, ah. On suit la tranchée à droite. Changement de point, ça vient pour nous, ouais. Ils sont... Attends. C'est quoi votre position, les enfants? On est en 0.37, 0.55. Ils arrivent. On traite quand ils passent à gauche. Ouais, ils arrivent à gauche. S'ils arrivent sur nous, vous engagez.
Et ouais, je peux dégommer les deux sentinelles qui sont au fond à droite là. Ok, tu prends objectif. Ils sont à 100 mètres, Skikers. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont très proches là. J'entends pas être trop. Ils sont très proches, Eddy. Ok, on va engager. Préparez-vous dans 3, 2, 1, feu. Open bar. Ok, on a été engagé, Zidrou et Hera, vous pouvez venir en renfort et neutraliser les points sur zone. On va continuer à trancher à droite et s'avancer. On va continuer à trancher à droite et s'avancer plus près de l'objectif. Ah bah si vous voulez, je peux passer devant avec le bouclier. Hein. Allez, les groupes, on y va les rouges. Vous passez, là, avancez. On y va les rouges, on suit la Talveil. On est en approche. On est là dans T60. C'est bien pris. Un Max. Gars dans la première baraque à la fenêtre. Ouais, ils étaient deux dedans. Il y en a probablement. Il y en a pris pour cible donc. Par contre, on va faire gaffe aux renforts ennemis qui étaient dans le secteur. Ok. On cartonne l'hélico. Essayez de détruire ce qui tire sur l'hélico, les gars. D'ici, on neutralise tout ce qu'on peut d'ici pour le moment. Alors, Sten, tu vois à droite de le hangar bleu. Entre le hangar bleu et la maison, il y a un mec debout là qui bouge pas. Bien joué. Derrière le rocher. Ah, c'est bon, tu l'as eu. Ok, le groupe de balles, vous avancez, mon groupe, on couvre, on appuie le groupe de balles. Attends, je recharge juste. Quand tu veux, balle. Si vous voulez, vous pouvez être en colonne derrière moi et je avance tout droit. Hein. Ouais, ouais, suivez, faites comme vous voulez, mais peut-être se mettre en colonne, c'est pas une idée, mais. Ah, parce que j'ai un bouclier anti-émeute, quoi. Comme ça, ça va juste faire un pâté, il est cible pour eux, faut qu'on avance vite. Quand je regarde derrière moi, il y a un bug graphique là, quoi. Ouais, vous êtes prêts à nous courir, de toute façon, nous on court dans la prochaine tranchée, puis. Ok, Elias, tu couvres le flanc droit, Rec le flanc gauche, je prends le milieu. Ok. Allez, allez c'est parti, rouge. On y va les rouges. La lune. Visez la lune. Comment l'imagine par une chanson dans la tête. Dès que vous êtes sur place, vous nous prévenez, on vous rejoindra. Ça marche. Ok, on est dans le Talveig, on tient pas trop mal la position pour l'instant, ça devrait être bon pour vous. Reçu, on va y aller. On monte au coin du bâtiment bleu pour avoir une meilleure vue sur la gauche pour couvrir le groupe de Seekers. Quelqu'un qui couvre à droite quand même, Olivier, je vais prendre le coin, je couvre à droite. Attention à toi. Pourquoi la porte est ouverte? Elle vient de s'ouvrir, c'est pas moi qui l'ai ouverte. Attention. Et, putain, il m'en a mis une. Ah, salaud. J'avoue qu'il laisse-moi passer. Check à droite, check à droite. Attention, toujours des contacts par-delà ce hangar bleu. Un traité avec RPG devant. Ok, Bal, une fois que t'as sécurisé le hangar bleu, tu prends la gauche de du hangar et t'attaques par là, et nous on va prendre la droite. Un mec à l'étage traité. Derrière ce hangar bleu, il y a une formation de rochers, il y a des ennemis à l'intérieur, hein, 20 mètres derrière. À l'étage traité. Ça marche. Ouais, on va pas trop s'avancer, on va aller. Non, celle là. À droite du hangar bleu. Ouais. Skigger, t'as entendu? Il y a un lance-missile là qui vient de tirer. Ok, entrée du bâtiment dégagé. Et il est où? En face, ok. À peu près à notre est, je dirais, de notre côté. Je sais pas où exactement. On a juste entendu le départ. Il est mort, vous pouvez rentrer, CRS. Les gars, je vais traiter la maison à droite.
Ok, le hangar est clear, j'ai effectivement tout ce qui s'apparente à une cache d'armes, limite on peut poser la charge dès maintenant et se barrer. Pose la charge, mais faut quand même vous livrer dans le bas du village, s'il n'y a pas d'autre charge, donc vous fouillez toute la baraque. J'ai pris une balle de où là? En haut, en haut. Elias, tu vas rester dans là-bas, dans le hangar bleu du coup. Elias, le hangar est pas sécurisé, le hangar est pas sécurisé. Me soigne, c'est bon à l'étage. Je pensais pas qu'il y avait une pièce là-haut. Si j'en avais traité deux en haut, je pensais que c'était bon, mais. Bon, faudra me suturer. Ouais, reste là, Rec, tu couvres ce côté droit. C'est bon, charge posée. Ok. Ok, merci. Il est secure le hangar, c'est bon? La gare est secure, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres maisons à côté là? J'ai pas vu. Il y a une maison à droite. Fouillez la maison à droite, voir s'il y a rien d'autre. Viens, vas-y, on y va. Ok, les rouges, on y va. On va où? On fouille la maison qui était au sud. Gaffe aux rochers, il y avait des mecs dedans au satellite. On va checker les rochers. Juste pour info, je pense que c'est tout. À l'antiaérien. La maison est sécurisée, deux packs éliminés, Skiers. Ah, c'est peut-être des mecs dans les rochers là, attention. Ouais, je pense qu'ils ont tiré au RBR 80. Ouais, mais j'ai pas ok, on va commencer à se replier, notre groupe va reprendre la position d'avant dans la forêt et après on vous appuie pour votre retrait. Les jaunes, venez tous dans le Talvec derrière le hangar bleu. C'est bien sûr, on se regroupe tous dans le Talvec pour l'instant. Orsen, t'as mis une minuterie ou t'as fait un détonateur manuel? Positif, mise à enfin détonateur pardon. On dégage. C'est quoi le véhicule? On arrive, Seeker. Olivier? Bonjour, je reviens de là où on est venu. Au loin. Vous pouvez traiter? L'hélico engage de toute façon. C'est bon, il l'a eu. Joli, merci. Les petits cigares, dès qu'on peut traverser, on tient la position pour l'instant. Il y a encore des hommes dedans, attention, je surveille. Oui, quand je fais sauter un peu. Vous pouvez y aller, on vous appuie. C'est parti, on fera exploser à mi-chemin. C'est bien sûr. Explosion. Ok, dès que vous êtes en place, vous reprenez le Talvec d'où on est arrivé et on va replier par là. Dépêchez-vous, par contre j'ai des packs qui me cartonnent là, je suis en train de me battre mais c'est un peu compliqué. Les rouges en avant. Allez, les jaunes ensuite, les rouges. Zidro et Roi, vous pouvez replier, nous on est en sécurité, on va vous mettre un point sur carte ou venir nous récupérer. Tous les hostiles sont neutralisés venant du Land Rover. Ouais, c'est bien reçu. Au niveau de la grange là à gauche, je peux pas nous récupérer, Skikers? Si, mais on va aller dans la forêt. Donc Val, tu vas jusqu'à la forêt et après on va se mettre derrière la grange pour qu'ils puissent se poser en toute sécurité. Ça marche. Ah mais ça recommence. Mais j'ai... Mais ça fait rien. Ça fait juste du son. Puis on a déjà passé là tout à l'heure en marchant, non? Bah oui, c'est ça qui me paraît bizarre. Le rouge qui est derrière. Je sais juste un piège les gars, j'avoue. Zidro, j'ai mis un point LZ sur map, ça sera là où vous venez nous chercher, c'est la grange qui est située juste à notre ouest. En 035-054. Ah moi je veux bien mais ça va être chaud de rentrer dans la grange. Alors faut pas se poser dans la grange mais derrière la grange, au-dessus de la grange.
toutes les bottes ont quitté le sol, on peut décoller. On rigole alors. Oh là là, toutes les bottes ont quitté le sol. Oh cool. Putain, ça pue. Moi je vous préviens les gars, vous avez pas de strobe, je tire dessus. Chef d'équipe pour des strobes. Ouais. Moi, je ça n'arrivera pas. Si je vois un strobe, mais je vois un mec à côté du chef d'équipe avec le strobe qui n'a pas de strobe, je bute. Ah bah là ça va être compliqué alors. Il va avoir que ce kicker, c'est ballon qu'on a envie. Tout à moins de, à plus de 5 mètres des strobes sera éliminé. Oh mais putain, oh là là. On va se faire repérer. Moi je dis ça, j'irai. Ah oui c'est vrai, j'ai pas de maglite donc je peux pas voir la carte. DJSI, on a tous tes yeux. Attends, si tu ouvres la carte et que tu fermes les yeux aussi. C'est dommage que quand t'as les gilets, tu peux pas lire ta carte. Alors y'avait un... Bah si moi je peux lire la carte. Un petit mode, qui appelait l'auto-brightness, qui permettait de le faire. Donc il a été supposé être incrémenté directement au ace. Maintenant, voilà, ça marche un peu comme ça eux. C'est pareil, techniquement, quand t'es censé être à l'allure de phare, d'éclairage public, etc., t'es censé voir ta map. Ça marche un peu que... Bah ouais, bah si, ça marche. Si, ça marche. C'est juste que ça marche pas avec les JVN, c'est tout. Le top brightness, c'est par rapport à l'environnement. Faut que t'ailles à gauche, hein, c'est bon. Fais le virage à 90. Attention aux armes. La nord. Alors, on va s'envoler une route et après cette deuxième route, attention, et là t'as 500 mètres devant, t'as c'est vraiment plein de merde les gars, je suis désolé de vous le dire mais c'est plus la chiasse. Attends, mais... attends, tu vois la route, attends, c'est bon, là juste là, là y'a une clairière là, en dessous de toi là, ralentis, ouais. Recule, ralentis, ouais, recule, ouais, ouais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, recule, recule à fond, à fond, à fond. Ouais, non, mais tu vas trop loin, bon, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, ok, excusez-moi. T'as pilote bourré quoi. Faut pas les écouter les autres, c'est moi que tu vas écouter. Ah qu'est-ce que c'est mon appareil là. Touch. Zou. On peut vous voir. Je veux faire ta porte. Bah ce qui curse le disrespect quoi. C'est... Ouais, c'est insupportable. Non mais c'est bon t'inquiète. Ok bah tu passes devant et tu vas jusqu'à la clôture. Ça tire. Pas qu'elle tire sur l'hélico. Ah, la discrétion s'est ratée. Attention, c'est abrupt. De toute façon, si je glisse, j'écrase Olivier, donc ça va. Ouais, Skikers, on s'est fait engager, on fait un trajet d'attente. Joli. Skikers, tu me reçois? Skikers?
Ouais. T'es sur ACP là? Kicker, tu me reçois? Il t'appelle sur ACP. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit sur la... Ouais, on se reçoit entre soi, on est en train de voir avec Seekers, mais on t'a bien reçu ton message, t'inquiète pas. On fait quoi du coup? On commence à y aller ou pas? Parce que là, ils savent qu'on est là. Hein. Ouais, répète, j'ai un problème de fréquence. Hey, donc je disais, on s'est fait repérer, on s'est fait tirer dessus, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Est-ce qu'on interdit la sortie de la base? Ouais, allez-y, interdisez la sortie de la base et neutralisez les mecs sur les toits des bâtiments. Faites tout de même attention, si vous faites trop tirer dessus, prenez pas de risque. On y est bientôt. Ils sont passés. Ouais, ils sont restés là. 200 mètres. On devrait peut-être faire une pause avant d'aller à l'astro sur toi. Action race. Je fatigue. On a les bâtiments à droite là. Alors, je vais baisser ma portée de vue par contre. Voilà, je sais pas si c'est la map mais. Ouais, si c'est la map, c'est le secteur. Hélicoptère non identifié en approche. Plein nord. Oui. On l'entend, ouais. Ah, on l'entend, mais on n'a pas visu. Faites attention, si je vous engage, je vais vous riposter. Hein. En avant, putain, ça bug devant, c'est l'interface. Ouais. Il y a les arbres qui déconnent. Vous voyez ce que c'est, l'hélicoptère, là. Je vois pas. Ouais, non, il vient de passer là avec les lumières allumées. Ouais, à l'oreille, c'est un little burn. Bon, on avance pour le moment, ils nous ont pas repéré, ils ont juste repéré, quoi. Allez, go. Ah, je confirme, on dirait un little burn. Little burn plein phare d'ailleurs. C'est la route, le grillage direct. Ok, bah allez-y, on va. Et là, attention, ils jettent sur nous, le Little Bird. Qu'est-ce qu'on fait? On profite qu'il soit en stand-by ouais, là pour la battre. Après, je pense pas qu'ils aient des JVN, les gars, donc pour le coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils jettent sur nous. Ah, c'est bon, ils sont engagés. Bon, allez, ils sont engagés par les tricots. On peut y aller. On y va? Allez. Je crois qu'il s'est crashé. Ils l'ont eu. Les jaunes, on a pu la traverser des rouges. J'ouvre ici, balle. Attends, d'abord on fonce. C'est vous qui avez tiré sur l'hélico, les gars? Affirmatif. Là, je peux ouvrir ici, ça à l'abri. Ouais, vas-y. On est en train de faire la brèche. C'est quoi les jaunes? On a pu d'ici les rouges. Dès que vous avez fait la brèche, vous entrez sur la gauche, on entre sur la droite et on se poste au niveau des petites collines devant et c'est bon. On détruit tout. C'est ouvert. Ok, placez-vous au niveau de la petite colline. Là, et rouge, on prend ma blonde rouge, de gauche, de gauche. Vous avez vu le départ d'RPG ou de Higla, je sais pas ce que c'est, détruisez-le. Quel est l'objectif ici là? T'es sérieux là? N'aidez pas à péter les lumières, ce sera leur seul moyen pour eux de nous repérer. Autorisation d'avancer Non, pour l'instant on fait de la pipe. Repérez un petit peu, on fait de la pipe pour l'instant, on tire. Si vous trouvez ce putain de RPG, vous le dégommez. Il est juste là le RPG. Et du coup il est de l'autre côté de la colline, c'est pour ça que je voulais avancer. Bâtiment là, t'as beau jouer à la carte que je dégomme pas. Les gars, je tire sur la gauche. Ok, Paul, continue à progresser de ton côté en avançant là sur les petites dunes devant et faut aller neutraliser ce qui tire sur les hélicos, là je vais des départs de RPG. Ça marche, on avance un petit peu. Oui. Ah, le graphique du terrain quoi.
j'ai... Et derrière le... Attends, écarte-toi. Attends, il avance là. C'est bon, il est fumé. Il va vous faire sa tête. Ah, les hangars ils doivent être remplis de mecs, mais ça c'est normal. On va essayer d'avancer du coup sur le côté gauche de l'arc de cercle qui entoure les bunkers, ça marche? Oh, attends, je vais les mettre astro d'abord, je vais mettre mon con. Faites bien gaffe à gauche également. Et à droite dans le creux, qu'on n'est pas qui traîne non plus. Normalement dans le creux, c'est bon. Attends, je vais péter les lumières. Merde, j'arrive pas à les péter. Samir, sub, elle continue. Ah, c'est toi, Blackheart, qui faisait de la fumée. La fumée? En marchant, en fait. Ah! Sinon, je cours pas aussi vite que ça, non. Ok, pour l'instant, c'est. J'en ai. Non, c'est du sécurisé. C'est R5 qui est tombé. Près de l'entrée. Attends, je te bon. Bouge pas, c'est pas sur moi. Ok, y'a un mec sur le toit qui vient tirer à RPG, toit du bâtiment administratif. On y va ou pas? Là, je peux. Avec Blackheart, on peut aller prendre le bâtiment. Vous êtes où, Skicker? C'est pas une bonne idée d'y aller maintenant, on a encore tous les bâtiments subsidiaires à faire. On est sur le point 54 là-dedans, en 067-015. Là-dedans. Ça dedans. Marche, nous on est sur le point 56 qui est à votre ouest, près d'un un peu au nord. On est Ouais, un peu au milieu de tout le monde, j'attends que t'avances à droite dans les 4 hangars pour pouvoir ensuite me décaler. Parce que sinon on va se retrouver au milieu de tout le monde. Et tu feras gaffe, il y a encore des mecs sur le toit du bâtiment administratif. Putain, mais t'es pas visuel ici, c'est infâme. D'accord, c'est bien, de vous occuper des bâtiments qui sont à l'ouest de votre position. Là où il y avait les mecs sur le toit, de voir s'il n'y a plus personne. Et puis c'est après de faire l'entrée et se diriger vers les toits, le bâtiment administratif. L'usine a dégommé tout ce qui nous tirait dessus et avec la pute d'hélico, on a défoncé ce qu'il y avait sur le toit. Après, là écoute, j'ai rien en visuel sur le groupe de bâtiments de la zone de recherche et développement. Sur tous les autres bâtiments qui étaient aux alentours de du bâtiment administratif, ouais, on peut aller jeter un œil si tu veux, ces deux hangars qui sont visitables. Ok, allez-y. Ça marche. Il y a des contacts sûrement dans le hangar là. Non, non, pas ceux-là. Là-bas. Ouais, donc on va descendre à gauche, on va se mettre à couvert près de ces bâtiments là, puis après on traversera pour y aller. Vérifiez vos armes, soyez pas sans munitions quand vous descendrez. Et on y va. De toute façon, il reste peut-être encore des mecs dans le poste de garde à l'entrée, au moins deux mecs. Et puis il y a des mecs dans le hangar directement. On va bien sécuriser ici. Fais gaffe également à l'usine qu'il n'y ait pas des connards qui traînent. Ça va. Pour l'instant c'est RAS. Par deux. Attends, je vais aller dégommer encore les ampoules. J'avance sur l'ouverture de la grande entrée. Ça a l'air d'être bon ici. Oh. Balle, ça va. Ouais, c'est pas tombé très loin mais... Devant, derrière le buisson. Ouais, j'ai vu. Vous avez un gars qui vous rush, faites attention. Ouais, il nous rushera plus. On l'a vu, merci. Bon, il y avait des cibles sur le hangar en avant droite, et normalement c'est tout. Et puis au poste de garde à l'entrée quoi. Ok, j'ai mis notre vision sur map, pour l'instant on va appuyer à partir d'ici, on a visé sur toute la route de ouest en est et sur les bâtiments qui sont au nord. Oui. On va attendre que vous ayez fouillé ça avant de pénétrer dans les bâtiments. Ok, continue. Ça marche, donc nous du coup on est dans la zone R&D. On avance vers le nord pour aller sécuriser l'entrée et les bâtiments qui sont à l'ouest du bâtiment administratif. Non, Orsen, porte. Ouais, j'ai vu. Gaffe la fenêtre de droite. Dans le hangar de droite, ouais. J'avance. Ouais.
J'avance derrière toi. Vas-y, la carte, tu peux ouvrir. Ouverture. Dedans, dedans droite. Pour ce côté, Olivier. J'entre. Vas-y, Orten, tu suis. Blindé dans l'entrepôt. Ça marche. Ouverture. Ok. Putain, y'a du. Y'a un char à l'intérieur. J'avance, je passe derrière le char. Je sais pas si y'a un truc à se lever. C'est bon, sécurisé. C'est quoi ce machin là? Un char avec je sais pas quoi. Canon de rechange. C'est quoi ce canon ça? T'as l'air d'être un canon de rechange. Ok, balle, on va faire le sticker. Ah les gars, je peux tirer dessus là depuis tout à l'heure, y'a un mec qui tire. Est-ce que vous pouvez localiser l'origine du tir s'il vous plaît? Ouais, on voit, très bien. Sinon, dans le hangar qu'on vient de fouiller, on a retrouvé un léopard. Tu le vois, je veux savoir d'où vous entendez le son. Il est quelque part à notre aise, ça doit être le bâtiment administratif ou un truc comme ça, j'en sais rien, dans un bâtiment, je vois que dalle. JV, balle, je vais dans le bâtiment administratif. La carte, viens. Ouais, si vous nous couvrez, ouais. Ouais, le bâtiment administratif, sinon les bâtiments quelque part à son aise, on sait que j'en sais rien. Il doit encore y avoir un route de contact au poste de garde à l'entrée. Pour info, on est dans le bâtiment, mais on est dans le bâtiment administratif, on va essayer de le dégommer. Ça s'ouvre pas, on monte. Non, rien qui s'ouvre ici. Non. Les bâtiments. Ok, on vient de sécuriser un entrepôt, mettez sur carte ce que vous voulez sécuriser histoire qu'on s'y retrouve. On va passer devant les gars, j'ai un bouclier. Oui, pardon, vas-y, Blackheart. Attends que ça serve. RS, dernier étage. Pour le toit? Je pense. Ok, je viens de dégommer un tireur RPG qui était à l'entrée. Je monte. L'entrée est dégagée. À moins qu'on ait encore des mecs qui soient cachés comme des ninjas. Normalement, c'est bon. Sur l'hélicoptère, je monte sur le toit des bâtiments administratifs. On sera deux sur le toit du bâtiment. Ok, j'ai deux hostiles qui montent sur le toit du bâtiment administratif. Est-ce que j'ai autorisation de les abattre? Ok, reste sur le toit. Négatif, je rigole, par contre j'en ai vu un. Vous voyez l'entrepôt derrière, les deux entrepôts où j'ai mon laser pointé, il y a un mec qui vient de se cacher derrière. C'est quel entrepôt dont il parle? Je sais pas trop, je vois pas le laser. Je le vois pas non plus mon laser. Ça doit être de l'autre côté par rapport à nous. Bah écoute, les alentours ont l'air d'être sécures hein, par les entrepôts. Je crois que j'ai eu, y'avait un mec au niveau des entrepôts. La carte qui devrait redescendre. Merde, j'ai raté. Les gars, Skikers, vous avez un gars qui sera, qui arrivera à votre gauche. Ils font des sorties depuis les cases d'entrepôts à sécuriser. Je me rappelle que nous on a encore un bâtiment sécurisé côté ouest, les gars, faudrait que vous reveniez. On descend. Olivier, t'es où du coup? Dans le rez-de-chaussée, bâtiment administratif. Ça marche, on attend les autres et puis on va aller sécuriser ce bâtiment. Ou limite, vous avez une bonne vue ou pas de là-haut, Blackheart? Ouais, j'ai un bouclier moi, donc j'ai... Pas tellement. Bon bah on redescend du coup, si vous pouvez pas faire d'appui-feu, vous redescendez. On descend tous au rez-de-chaussée et puis on va partir vers l'ouest après. On ira des skikers une fois qu'on aura fait notre côté. Ok, good. On a le médicateur. Allez, on y va. Tu nous rejoins, Orsen? Tu t'entends arriver? Je suis là. On va faire quoi, ouais, l'entrepôt de droit? Parce que côté, allez, côté Est, il y a encore les hangars. On va arriver. On va côté Est, Bal? Non, on fouille le bâtiment qui est juste devant nous là. Normalement, il y a rien dedans. Et bien normalement. Vas-y, Blackheart, je suis derrière toi. Pas de porte. On part à droite avec Olivier. C'est bon à l'angle. Porte. Vas-y. Ici. Lol, t'es qui? On a
C'est bon, Amiya au bout. RS. Il y a de l'autre côté, attention. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est vide. Il y a un gars, il nous a dit bonjour quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait notre côté, on a trouvé donc des blindés qui sont normalement sécurisés, y'a personne qui devrait pouvoir s'en les prendre, on revient vers l'est pour vous aider. Reçu, nous on va essayer de sécuriser l'entrepôt qui est à notre nord, où il y avait 6 packs marqués sur carte. C'est reçu. On est parti par où? Ah nous on est là, après il manque... Ah, il arrive. On vous dire d'y aller, mais vous êtes déjà parti donc. J'ai entendu dire on y va. Par et radio, on va y aller. Ça veut pas dire que vous pouvez y aller sans attendre. T'as évangulé à l'administration, hein. On va pas avoir pété tous les ampoules du site. C'est bon. C'est bien ce qu'il allait sembler, putain j'étais pas sûr, je l'avais bien vu un mec là. C'est rien, ça flash. C'est la flash, ouais. Ouais. Là à droite avec la carte. Allez-y, ouais. Ouais, ça marche. On est au bout de la route par rapport à vous, hein, Sikir, faites gaffe, on est sur votre gauche. Ouverture. Je suis coincé. Il y en avait deux dedans. Oh. Ça vous avez ouvert au moment d'arrivée quoi. C'est bon, je crois, c'est traité. Je sais pas s'il y a un mec couché au fond, je vais voir. Allez checker, allez checker. On va faire le bâtiment avec Olivier. C'est bon, c'est canné. Caisse d'explosifs. Caisse d'explosifs et un van. On va vers eux. Les flashs de lumière, c'est quoi les gars? C'est des grenades flash, de nous. Ok. Où c'est Olivier? Attends, parce que je vois rien. Laissez-moi entrer, je vais m'en occuper avec le bouclier. Je viens de recharger. Je vais passer devant vous. Skikers, le hangar qui était à gauche de la route, vous l'avez fait? Ok les gars, je vais aller... il faut aller soutenir Skikers, si vraiment il répond. Pas discret mec hein. Non. Bah on va soutenir Skikers. Reste. Allez, on fait une sécurité avec ma carte ici. Dernière porte. Rien. On sort à gauche quand même, c'est ouvert. Rien. Rien dehors. Non, c'est bon, rien dehors, je confirme. On se retrouve à l'entrée. Par où on est rentré initialement. Oups, attends, il y a ça aussi, Black Air, qu'on a pas fouillé. J'ouvre. Oui. Ah, non, je peux plus. Ah, bah, j'y vais alors. Et tu t'es mis devant. C'est bon, y'a rien. J'ai perdu l'interaction. C'est bon, c'est sûr. Genre. Ok. Ok. Je vais essayer d'entrer le groupe de Seekers, on va partir à gauche. Bal, tu peux mettre la carte à jour avec ce que t'as fait avec des points bleus comme t'as fait pour le reste. Ouais bah c'est bon. Mais pas sécure celui-là, je crois qu'il a pas été ouvert l'entrepôt là. C'est bon, on est là. Tout a été sécurisé. Je crois qu'ils l'ont fait tout à l'heure celui-là, ceux qui sont pas à jour pour le coup. Ouais. Y'a pas d'ouvert, y'a rien d'ouvert donc non. Des AK... On se fait agresser par un hélico. Ouais c'est tout alors. Ah ouais c'est bien écrit. Finish. C'est bien ça. C'est bon. Celui-là ils l'ont sécurisé. Bal, t'as pas trouvé un igla ou un truc pour défoncer les hélicos? Négatif, on a trouvé un Léopard 2, un VBC, un ribambé de mortier ainsi que des 155 mm, mais alors des iglas non. Enfin de l'antiaérien négatif. Ok, tout le monde se regroupe dans le bâtiment administratif parce qu'il en est un peu trop éparpillé, on va faire un point. Ça marche, les roues, vous avez entendu. C'est lui le patron. On peut voir s'il n'y a pas eu un igla parmi un dégât. S'il y a des iglas, ils sont sur le toit de l'usine. Hein. Bon, hélicoptère abattu. Éco-véhicule. Éco-véhicule. À l'entrée. On a un véhicule qui arrive sur nous. Plein de véhicules, plein de véhicules. Plein de contacts, plein de contacts, ils ont bloqué l'entrée. Ah.
On a besoin de soutien aérien parce qu'on a pas mal de véhicules à l'entrée du camp. Tout le monde se regroupe dans le bâtiment administratif. Allez sur le toit s'il faut pour les dézinguer. Vas-y Orsten, décroche, on va aller dans le bâtiment. Ouais vas-y, je te cours. Il y a pas mal d'infanterie qui arrive par les voies depuis l'ouest. Vas-y. Oh là, c'était pour nous, Jacques. Ouais. Ils ont plein de RPG. Tireur un RPG abattu. Le camion est mobilisé, je sais pas si c'est encore des mecs dedans. Oh, le mec qui vient de. Reste en bas avec Olivier. Je prends la droite. Ok, ça m'a l'air bon, je veux plus de mouvement. Putain, mais la surprise du chef quoi, tu t'apprêtais à partir et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a 50 connards qui arrivent. Tout le monde est dans le bâtiment administratif avec son groupe. Antenne Olivier. Oui. Les blackards, je l'ai entendu. Ah ouais, je suis en bas. De là, t'es toujours là avec nous? Affirmatif. De ce que j'en vois pour l'instant, je ne vois plus d'hostiles dehors, vivants. C'est reçu, Hera, est-ce que tu peux demander au QG si on tient la zone jusqu'à que les renforts y arrivent ou si on évacue? Vous avez plus de radio ou quoi? Bah j'ai pas de longue portée. Putain, je viens de voir un mec déboulé du bâtiment là avec son RPG. Je lui ai collé trop de dans. Ok, on voit. Faites un 360 dans le bâtiment. C'est trop débarrassé. Je vais mettre sur le toit ce qui casse. Vas-y. Monte pas sur le toit directement, parce que le temps que tu redescends après, si les vacs arrivent. Ouais, mais on va peut-être évacuer sur le toit, donc. Je crois qu'il voulait envoyer un contingent de l'armée. Bolly, je sais plus trop quoi, le chef. Tu les as piégés tes pick-up ou pas? Alors ça s'est fait? C'est quoi la mission Skikers telle qu'on te l'a donnée? C'était de sécuriser le camp. Ah, c'était de capturer l'usine et après que des renforts arriveraient pour. Ok, bah voilà, ta réponse. Non, on n'arrive pas à compter avec les QG, donc jusqu'à. J'ai une patrouille en approche sur la route, je suis en train de marquer au laser ou à l'ouest de l'entrée. Ils sont encore derrière les bois. On a des départs RPG depuis le sud, je crois. Ouais, sud-sud-ouest. Ouais. Je vais sécuriser nos arrières. On s'est engagé au RPG depuis les bois, ça essaye de nous éloigner là. Ah, c'est reçu, prends une tête de la distance pour le moment, nous on est bien couverts dans le bâtiment là. Ça arrive pas mal dans les bois ouest, d'autres groupes qui arrivent, à droite de la route, 50 mètres à droite de la route. Ceux qui sont sur le toit, faites un petit 360 histoire de voir s'il n'y a pas d'autres gens qui arrivent. Je sais pas où ils sont, mais. Pas mal de RPG-7 qui courent dans les bois, essayez d'en faire vos cibles prioritaires si possible.
Ça va? Ouais, il a tiré trop. Oh putain! Ça va Olivier? Ouais, c'est parti dans le premier. Ça va en haut? Ouais, non, c'est bon. Je suis pas blessé, j'ai juste pris. Ouais, juste des trucs. Attention, deuxième tir! Détruisez-moi ce mec là, il est en train de nous défoncer. Tu vois, y'a personne au premier. On est sur le rez-de-chaussée. Je crois que je l'ai eu, mais je suis vraiment pas sûr. Je marque sa position au laser. Bah, on a le droit de quand même de capturer l'usine, donc s'ils la reprennent instantanément après, ça sert à rien. À ceci près qu'on n'est pas prêt fait pour tenir éternellement. Bah, on est prêt à vous évacuer, mais on apparemment on doit attendre des renforts. Bah, ce serait bien qu'ils arrivent parce que là, c'est des renforts ennemis pour l'instant qui nous tombent dessus et ils sont pas qu'un peu. On tient autant qu'on peut. Chargeur, sur la route, ça arrive. À gauche de la route. La route à gauche, ouais. À neutraliser. Vraiment économiser les munitions, tirer pour tuer. A titre personnel, j'annonce que je ne déborde pas de munitions et que j'en ai plus beaucoup non plus. Ouais, bah c'est bien reçu. Pour le moment, à la limite, ne tirez plus, on peut s'en charger. Gardez vos munitions pour d'éventuels véhicules ou hélico qui arrivera en renfort. RAS sur les autres azimuts autour de, du bâtiment. Ouais, c'est bien reçu. Tu l'as eu? Normalement, économise tes munitions. Ouais, je les vois. À la limite, laissez-les avancer jusqu'à qu'ils arrivent sur la route pour avoir visu et en attendant, cachez-vous. Nouvelle RPG, il y a un nouveau RPG qui s'est ramené. Quelle position? Je sais pas où il est. Azimut 310. Nord-ouest, non? Bon, j'ai une quarantaine de contacts qui arrivent dans les bois sur vous, les gars. On a ordre de repli immédiat. Nord-ouest, y'a du monde. Tu confirmeras que le QG t'a donné d'ordre de repli? Nombreux contacts, Azimut 298, 290, 290, contact. Reçu, tu peux te poser sur le toit ou pas? On va voir ça. Négatif, négatif, on est sous le feu d'RPG. 9-8, 2-8-5 à peu près. Le bâtiment va pas tenir longtemps à ce rythme là avec les RPG hein. Ah, mon pilote est malade. Je répète, mon pilote est malade. On peut pas vous évacuer les gars, à plus. On reviendra plus tard. Ouais Skikio, ce que je te propose c'est de quitter la base par l'est et que vous retournez à la ZL initiale. Ça va sur le toit? On voit plus le laser. C'est l'enfer hein. Skikio, il est debout là? Négatif, ni Skikers ni Rage fait toucher.
Bon, s'il y a quelqu'un qui m'entend sur la radio, là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous essayez d'évacuer. Et la récupération des corps, de toute façon, on s'en fout, c'est chez nous, donc on finira bien par les récupérer un jour. Priorité aux vivants. Bah écoute, on essaie de récupérer ce qui est vivant et puis on fait ça. On se retrouve au point de... Il faut que vous sortiez, vous faites une extraction à l'arrière du bâtiment administratif, vous vous enfoncez dans les bois et on verra après pour l'évacuation. On revient, on va rester dans le secteur, mais on est assez endommagé et on est blessé. Le problème c'est que si tu peux pas nous évacuer immédiatement, je préfère tenir ça que tenir dans la pampa. T'es comment munition lié? Oh, je suis très très large moi. Non, parce que déjà j'ai plus de balles pour un manger 36. Oh, je suis très short, je peux pas, désolé. Alors, tenir le bâtiment ok, si votre bâtiment s'effondre, vous êtes mort. Quelqu'un a des chargeurs de M4? D'ailleurs, je crois qu'il était M4. Non, je t'ai mis 4 oui, chargeurs. J'ai un chargeur aussi, mais là pour l'instant on est un peu en urgence. C'est beaucoup, donc tu fais attention. C'est où Bah j'ai une sortie derrière là. Bon, je vous laisse gérer la défense. Delattre, t'es où? Je suis sur le toit en train d'essayer de sauver Skikers en essayant de pas mourir moi non plus. Tu me le stabilises et après on redescend. Vous avez encore des contacts ou quoi? Ça a l'air d'être calmé, faudrait qu'on y aille dans pas trop longtemps, mais il y a encore pas mal de contacts dernière nouvelle qui étaient dans l'ouest. De toute façon ils arrivaient que par l'ouest, donc si on se casse c'est par l'est après vous pouvez retenter de venir nous chercher maintenant. Mais alors, je garantis négatif, rien. Je me poserai jamais sur le toit. Ouais, j'ai toujours des contacts nord-ouest. Non, ah, bah dans ce cas, on remet sur pied nos blessés, puis on dégage plein est, on se retrouve là où vous nous avez déposé. Je peux pas vous prendre sur le toit, c'est trop près, on prend trop de dégâts et on a déjà évité trop de tirs de RPG, c'est pas possible. Attends, je vais te marquer une LZ sur zone, tu me diras si ça te va. Là, je te l'ai mise en 071-016, ça ferait pas trop loin pour nous. Ouais. Ok, bon, on va essayer de se retrouver là-bas une fois que nous on est prêt à partir. Je te retiens au courant. À part de l'âtre et Figure, tout le monde va bien? Affi, même si j'ai pas de mission pour un... Je répète, Rack est mort. Bon, Rack c'est pas grave, enfin c'est pas un tant pis, mais est-ce que Skikker, du coup on pourra le déplacer? Ouais, je vais m'en occuper. Dad, si Skikker ne se réveille pas, tu pourras jamais descendre de l'échelle si c'est sur le toit. On est au dernier étage. On est pas sur le toit, on est au dernier étage. Ok, reçu. Ah si, ils peuvent. Techniquement. Faut les jeter. C'est ça. Bon, faites ça vite et puis dès que vous êtes prêt à partir, vous le mettez sur vos épaules et puis on dégage. C'est bon, je suis en route, on descend de l'escalier, on descend. C'est bien reçu, on se regroupe donc tous côté est, je répète côté est du bâtiment administratif près de la route et on dégage. On se regroupe et on dégage, attendez qu'on soit tous là. Sortez par derrière, passez par la porte là. Ouais, voilà, prends le couloir et porte à droite. Vas-y, bleu la carte. Allez, viens, on décroche. Il y a un risque que je tombe dans le coma, je vous le dis quand même. Oh putain, il commence à se rapprocher un peu trop. Bal, pour info, une fois que vous serez sur la ZL, fumiginez à l'ouest, on sait jamais quoi. Il commence à se rapprocher, faut y aller. Ok, on commence à dégager. Je suis pas sûr qu'on ait des fumigènes, je crois pas qu'on puisse y en prendre, mais genre une fer 4 pour marquer la position. Éco-véhicule sur notre gauche. Allez à la LZ. Non, c'est des moteurs, oui. Et vous faites vite parce que moi j'ai bientôt plus de munitions. Je crois qu'il y a un contact avec l'issue. Ouais. On est encerclé. À droite aussi. Faites attention, c'est possible qu'il y ait des packs au sud, tout près de la clôture. Ouais, on est complètement encerclé, il y a des mobs, du monde. Oh bordel. Y'a des mecs sur les hauteurs au sud près des bunkers. Ils sont rentrés par la brèche qu'on a faite. Ok,
on va faire une nouvelle brèche dans ce coin là. On fait une nouvelle brèche dans ce coin là, Orsten, vous le couvrez puis tu me ouvres un nouveau trou. Orsten, je vais faire le mec par balle avec le bouclier donc Je me dis quand t'es prêt. Vas-y. Vous êtes partis par où les gars? Moitié. Trois quarts. On est au grillage est de la tri. C'est la version. Ok, c'est ouvert. Putain. Vous pourrez vous mettre à couvert dans les bois dès que possible. Y'a des ennemis dans ces bois, allez chez vous. Ah bah c'est toujours mieux que de rester au milieu de tout le monde. Donc visez les découverts, enfin les couverts, pardon, les trous et tout. T'es où Je sais pas, je vois pas derrière, je sais pas où il est parti. Tout le monde. Non, on a pas jaune, je sais pas où ils sont. De là, parce que tu vois mon laser. Bah les gars, je suis en train de me battre pour survivre et je me tape. Vous êtes en plus. Où? Bah je suis à 10 mètres de la sortie du bâtiment quoi. C'est l'ennemi 10 mètres de la sortie du bâtiment. Mais il est près du bâtiment administratif là. Non mais t'es sérieux, mais ça fait des années qu'on a dégagé de là, le bâtiment administratif. Bah ça fait 3 fois que je vous le dis en radio, mais bon visiblement vous en foutez. Bon Val, je vais en train de le chercher. Bah moi j'ai réussi là, j'approche du grillage, je vois certains de vos lasers. Mais je vais pas tarder à te mettre dans le coma moi non plus. Moi aussi. Clic clic, shoot-le celui qui a le laser là. Non mais j'ai plus de munitions. J'ai fait clic clic, j'enlève plus de balles en pistolet. Des strobes, il me reste deux balles. J'en ai une sur moi, mais c'est des strobes tellement merdiques que je suis pas sûr que tu vois des masses. On a nos lasers activés de toute façon. Je vois rien du tout d'ailleurs. On est pile à vos 3h dans, dans le talveg près du grillage. Attention, y'a un RPG dans le coin. Je balance une frag. C'est bon, on est prêt à y aller. Bah normalement ouais. Vous me remettez figure sur les épaules de quelqu'un et on dégage parce que là on est vraiment dans la merde. Je commence à avancer là, le temps que je lève. Vous êtes loin de la clairière? On est là encore On peut ouais, 200-300 bon mètres hein. Avance. Allez, go. On se remet en route. On peut venir vous chercher en 069 016. Ouais, ça 069, me va, ça me va, ça me va, on fait ça. Avancez, avancez, restez pas là. Par contre, grouillez-vous. Nord-ouest, les gars, nord-ouest, nord-ouest. Pas tous en même temps, vous restez là, t'es pas tous tirés. Y'en a un qui tire et puis les autres ils dégagent, on fait ça en tiroir. Allez-y, j'ai un bouclier, moi je peux tenir. Les gars, remontez sur la crête derrière vous. Je suis derrière vous sur la crête, vous montez. Et vous couvrez les autres de là. Je ne te vois pas. Je suis à ta gauche. Ok, je décroche ma carte. À ta gauche, bordel. J'ai mon laser allumé là. Slimane. Secondes. Non, on y sera pas, c'est calme pour l'instant, mais on y sera pas parce que j'ai un des mecs qui boite et que j'en ai un autre qui est sur les épaules. Tous ceux qui arrivent là, vous faites périmètre large sur l'hélico. S'il y a des boiteux, vous les portez. Dépêchez-vous. Personne sauf s'il y a des morts ou des blessés, grave. Ah, c'est bon, la carte est sur les deux. Arrière. Je vais embarquer Skickers direct et je me retiens également dans l'hélico. Non, Skickers il est en bonne santé, il suffit juste qu'il se relève.
Oui, non, mais on va l'évacuer, donc ça sert à rien qu'il reste en dehors, qu'on reprenne encore 10 minutes après à le débarquer des épaules et à le mettre dans l'hélico. Tu fais ça, il y a ça. Droite. Tout le monde dans l'hélico, on évacue. Damn.